Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la colonie pour nous faire tuer, pour nous faire massacrer par les nécromorphes et pour toucher. Est-ce que je te fais des bruits bizarres moi, non? Et pour toucher à la fin de, de notre jeu sur Dead Space. J'étais allée dans le stock, je crois. Ah oui, mais, je ne savais pas quoi prendre ça. Bon, écoutez, on va combattre un combat ce soir et nous verrons après. Je pense qu'on va aller là-dedans d'abord. Est-ce que vous en pensez? Ah, il y en a deux! Mon dieu! Eh, couche-moi. Une de moi. Allez! Allez! Je m'attendais pas si on était. Allez, allez. Chut, 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 chut. Je pense que nous allons prendre le choc laser. Je pense. C'est bien. Cette arme est magique en fait, absolument magique. Elle est absolument géniale. J'adore ce choc laser. Vraiment. Il change radicalement la vie. Alors, qu'on peut peut-être enfin voir ce qu'il y avait dans cette salle. Visiblement, il y avait plein de trucs. Voilà. C'est pas merveilleux tout ça. Eh ben, il est là le truc dont on a besoin, non? Attends, on va quand même faire les autres salles. Bah, on va l'emmener avec nous, hein. Et mais on va quand même... on va quand même faire l'autre salle. Tiens, là, reste là. On va aller voir ce qu'il y a là. Bonjour. Y a-t-il quelque chose? Oh, c'est là qu'ils sont tous... C'est vrai, c'était charmant cet endroit. Il écrit quoi là? Ayam, je suis amoureux de. On n'a pas un truc à. Non. Ceci. And I don't know what. Et je ne sais pas quoi faire de son corps? Quoi? Cher papa, ce sont les choses que je ne te dirai jamais, mais si je meurs, tu dois savoir. Je SLF, je sais pas ce que ça veut dire. C'est un peu glauque, hein. Ça sent vraiment le... Ici Sergent Neumann, zone B. Toutes les navettes sont mortes. On en a fait partir. Puis l'une d'entre elles a perdu de l'altitude. Elle s'est écrasée et a tué plusieurs centaines de personnes. Si vous avez ce message, n'approchez pas. Ils se sont vraiment fait massacrer. C'est une horreur. Oh, bro. Quelle horreur. Bon, alors ça, on va le vendre. Voilà. Tout ça, on va garder. Oh, j'ai pas mal d'armes quand même. Attendez, les balles d'assaut, cutter plasma, énergie plasma. Je serais bien tentée de prendre la tenue niveau 4, quand même. On va avoir besoin de protection, je pense. Vraiment. Voilà, ça devrait être un petit peu mieux. Notre inventaire un petit peu plus grand, plus.
Enfin, je pense. J'espère. Parce que sinon, ça valait pas trop le coup. Qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? On va prendre des dents du trancheur. Et on va prendre énergie plasma. Voilà. Ça me paraît bien. Ça me paraît bien. On va recharger toutes nos armes. On va augmenter quelque chose. Ça, c'est bon, c'est chargé. Ça, c'est chargé aussi. Ça, il faut que je recharge un petit peu. Ça, c'est chargé aussi. Ben, c'est parfait. Alors, je sais toujours pas quoi augmenter là, mais bon. Ben, non, le choc laser, il faudrait que je gaspille vraiment mes trucs. Arme d'assaut. Ça vaut plus la peine. Trancheur, on est allé au maximum. C'est quoi ça, amélioration de la mine? Non. Cutter plasma. Je vais peut-être augmenter sa capacité. Ouais. Et voilà, on va garder le reste. Donc du coup, on va recharger un petit peu plus le cutter plasma. Voilà, bah, c'est bon, ça l'a fait de lui-même. C'est génial. Sauvegarder. Voilà, on sauvegarde. Et on se jette dans la gueule du loup. Je ne m'habituerai jamais, absolument jamais, à ce cri, je pense. Il fait trop peur. Pourquoi il est... Ah, il a pris le corps de la Rémanta. C'est pas une Rémanta, c'est une... Je sais pas. Je fais ça dans la... Je suis un petit peu influencée, peut-être. Il fait trop peur. Et je me dis à chaque fois qu'un cri fait peur, c'est forcément un D-Raider. C'est quelle horreur. Quelle horreur, quelle horreur. Déplacer. Voilà. Bon. Bon, bah, on y retourne. Je peux le prendre, ça? Ah oui. Je peux le prendre? Génial. Je l'avais pas vu, tiens. Allez, hop, cette fois. On y va. Nicole? Oh, Nicole! Oh merde. Nicole! 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 Elle est où? Merde! Oh! Putain. Je vois pas de corps. Je vois pas de corps. Elle s'est cachée, mais elle s'est cachée où? Putain, Nicole, dis-moi que tu t'es cachée. T'as intérêt à être cachée. Putain. Elle est où? Nicole! Entre-toi! Il est parti, j'ai tué le divider. Nicole! Nicole! Ne dites pas qu'elle est rentrée dedans, sans moi, toute seule. Elle peut pas, c'est fermé. Mais elle peut pas. Elle peut pas, le truc est fermé. Il fallait que je vienne pour l'ouvrir. Mais elle est où? Elle est rentrée dans le vaisseau? Nicole? Elle a dû se cacher dans le vaisseau et ils nous ont caché la porte. Bon. Oh, comment on va faire? J'espère qu'elle n'est pas rentrée dedans. Mais elle pouvait pas me contacter sur mon truc là? C'est pas possible qu'elle me contacte? Je comprends pas. Pourquoi elle m'a pas contactée pour me prévenir au moins? Je sais pas, histoire que je m'inquiète pas trop. Quelque chose comme ça, par exemple.
Dieu, où est-ce qu'elle peut être? Elle est dans le vaisseau, hein. On nous l'aurait dit si elle était pas dans le vaisseau. Mais on nous l'aurait dit où qu'elle soit. Pourquoi elle m'a pas contactée sur mon truc? Je comprends pas, là. Je comprends pas. Est-ce qu'il faut que j'aille de ce côté-là ou de l'autre? Je peux pas aller de l'autre côté. Je suis pas tranquille. Je suis pas tranquille du tout là. Je m'attends pire. Salut. Il faut de la stase, c'est pas bon signe. Là, on ne peut pas m'envoyer l'immortel à Métrous, mais il se peut très bien qu'il y ait plein d'immortels tout seul. On est quand même dans le cœur du truc, hein. C'est un peu plus rassurant comme endroit, dites-moi. Vraiment très rassurant. Très 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 rassurant. Il est temps. Oh. Ok, il est temps. C'est quelque chose là-dedans. Faire des inscriptions, visiblement pas. Non, y'a rien. Bon. Attendez, avant, on va récupérer ce qu'il y a là. Alerte. Quarantaine d'urgence initialisée. Forme de vie inconnue détectée. Équipe de sécurité prévenue. Non, mais non. Je n'ai plus de santé. Ok, super. Y'a pas de la santé là. Santé, santé. Aidez-moi, donnez-moi la santé. J'ai pas de la santé. J'ai plus de santé là, merde.
Il faut de la santé, putain. J'ai besoin de santé. Vas-y, montre les parades. Vas-y. Tu peux pas ça. Voilà, c'est là. Il faudrait de la santé. Voilà, c'est bien. Bon. On va m'attaquer par où maintenant? Verrou de force. D'accord, il y a un verrou de force. On va quand même continuer à récupérer tout ce qu'il y a par terre. J'y tiens absolument beaucoup. C'est quand même super important parce que on va manquer de trucs sinon. Voilà, hop, hop, voilà, c'est bien. Ça, on reprend aussi oui, mini kit de soins, donc on va le mettre. Voilà, là on a tout pris. Attendez, on ramasse vraiment tout avant de lancer quoi que ce soit. Et on va même aller dans le verrou de force. Si tant est qu'on puisse aller dans un verrou et non pas derrière la porte verrouillée. On va tout recharger. Voilà, c'est bien. C'est mieux. Allez, c'est bon. On peut y aller. Oh, ils m'ont fait trop peur. Attendez. J'étais verrouillée, je peux pas y aller? What? Bah, j'ai caché mon verrou. Je comprends pas là. Bon, ça doit peut-être s'ouvrir une fois qu'on a lancé. Une fois qu'on a lancé le truc, alors on va lancer le truc là-bas. Je sais pas trop ce qu'il faut faire, mais on va le faire. J'ai vu un plus proche qu'on va appuyer sur celui-ci là. Voilà. Vas-y, passe gentiment. On va avancer. D'accord, quelle horreur. C'est un peu stressant comment ils font ça. Par là, je suppose. Ouais, d'accord. Quoi? Sympa quand même avec les kits de soins, on en a beaucoup plus hein. Bon alors ma porte, j'ai le sentiment de m'être fait un petit peu avoir. Toutes les virus force ne courent pas forcément les rues. On va aller les attraper.
Ah! Ma porte s'ouvre, c'est merveilleux. Oh! Un petit coin de paradis. Oh. C'est génial. Regardez! Oh, c'est tellement merveilleux! On a presque l'inventaire plein. Presque. On a plein de fusils d'assaut, ça c'est super. D'ailleurs, en parlant de ça, on va recharger. Ça fera pas de mal. Un petit peu. 4. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Nous sommes au maximum. On va aller là. Voilà. Il n'y a pas une petite sauvegarde quelque part? Ce serait tellement bien. Parce que là, j'ai l'impression qu'on se renferme de plus en plus à l'intérieur de cet endroit. Et c'est pas forcément une super bonne idée, en fait. Je trouve pas. Isaac, tu y es presque. Remets ces passerelles en route pour déplacer le monolithe à travers cette zone. Cherche un poste de contrôle au fond du tunnel de maintenance. J'ai pas entendu ce que tu m'as dit une fois et je te remercie pas de me laisser tout seul. C'est bon. Oh mon dieu, ce bruit qu'elle fout. Oh. Charmant, ça donne vraiment envie d'y aller. Toi, tu m'as donné quelque chose aussi. Merci bien. Qu'est-ce que c'est? Dans du trancheur. Oui, on a bien besoin, oui. Un stock, y a-t-il autre chose dans cette salle? Ah, il y a une sauvegarde! Ah, génial! Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, attendez, aïe. On va voir déjà ce qu'on peut. Oui, ça, on va le vendre. Stase, on va la déplacer. Mal d'assaut, c'est bon. Stase, on en a plein. On va la garder quand même au cas où. On va pas acheter quoi que ce soit là. On va économiser. On va acheter un kit de soins. Deux kits de soins, on va en utiliser un. Ce sera la seule chose qu'on achètera parce que notre santé n'est pas géniale. Un kit de soins, un kit de soins. Voilà. Ah. Ah. Voilà. Ça va aller mieux. Ça va aller beaucoup mieux. Je vous propose de sauvegarder tout de suite, de faire le tour de la salle pour récupérer ce qu'il y a. Et de sauvegarder et ensuite de faire avancer et ensuite de s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on continuera ensuite. Bonjour. Ne tends pas les bras pour m'attraper. Merci. Je te serai profondément reconnaissante. Sauvegarde. Voilà. Comme ça, on va reprendre après. Voilà. Bon,
Et bah du coup, nous savons que Nicole va bien. Je sais pas où elle s'est mise par contre, je comprends pas trop. Amener le monolithe. Alors Nicole a parlé d'une chambre du piédestal. Je dois y amener le monolithe et le placer sur ce piédestal. Kane disait que ça piégerait la reine mère au cœur de cette planète. D'après Kendra, le monolithe est responsable de l'infection. J'espère qu'il a également le pouvoir de la contenir. Journal personnel. Nicole a disparu, mais elle a parlé de réactiver les ponts. Il doit y avoir un panneau de contrôle dans le couloir de maintenance zéro gravité. Oh non, on va encore avoir de la zéro gravité. Mon Dieu. Bon, ben on va se laisser là et on partira à la rescousse de Nicole et à la poursuite de cette salle et de ce piédestal à monolithe la prochaine fois. Et ben partez-vous bien d'ici là, à bientôt. Ah, il y avait quelque chose que je devais vous dire. Voilà. Je suis complètement zappée, c'est important en plus. C'est normal que vous ayez du dead space assez souvent en ce moment. C'est à partir du 26, je pourrai reprendre les vidéos normalement. Donc elles reprendront toutes leur rythme habituel. Parce que j'en ai vraiment plus, comme je vous ai dit, je vous mets ce qui me reste. Parce qu'il me reste vraiment plus grand chose. Mais à partir de là, je pourrai reprendre le rythme normal. Donc ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Elles ne sont absolument pas abandonnées ou mises de côté. Plus que jusqu'à la semaine d'après le 26. Donc ben voilà, à très bientôt pour la suite du coup, pour les autres. Et portez-vous bien d'ici là. À bientôt.